C'est bien moi, Nientendem Norbert, ancien directeur d'école, actuellement en retraite. Voici mon petit déjeuner. Mon déjeuner, que dois-je faire? Je le prends, malgré moi. On dit souvent qu'il y a les gens qui nous manipulent. Et je doute fort. Qui peut manipuler celui qui a donné le savoir à tous ceux qui dirigent? Vous devriez réfléchir sur tout cela. Mes enfants, ne cédez pas aux tentations. Trop, c'est trop. Nous en avons marre. Ma situation est la vôtre prochainement, quand vous serez aussi en retraite. Je suis un retraité non traité. Que dois-je faire? Je deviens un mendiant à côté de mes pères du village. Est-ce que c'est normal? Ceux qui devaient venir chez moi prendre le café, c'est à eux que je m'en vais manger le reste de nourriture d'avant-hier. Quel pays? Vraiment, vous avez honte? Vous n'avez pas honte dans ce genre de situation? C'est moi qui parle. Il y a un adage chez nous qui dit, ne laissons pas la piste où passe l'animal pour suivre le pas de votre chien de chasse. Mon cri est juste, il est authentique. Vous pouvez passer me rencontrer dans le groupement Bangan Village Tuelkoué 1, non loin de Goudron Balvin. Il suffit de donner le nom de Nientendem Norbert, ancien directeur. Tous ceux qui vont vous rencontrer me connaîtront. Je tiens à vous faire comprendre que je continue. Malgré mes maladies, je prends mon petit déjeuner que vous voyez là pour avaler mes comprimés. Mais est-ce que ma montre marque déjà 16 heures? Est-ce que 18 heures, à l'heure où il faudrait laver les pieds, je serai encore en vie?